Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons, mais je pense que vous l'avez vu, ce n'est pas chez moi. On se retrouve aujourd'hui avec Florian, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous en vocal aujourd'hui. Coucou. Normalement, vous l'entendrez bien, il se peut que le son soit un petit peu moins fort ou un petit peu moins fluide que le mien, mais normalement, it's good. Comment s'appelle ton île? Naminara. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Bah, en fait, Naminara, c'est une île de fiction en Corée du Sud, et c'est une île qu'on peut visiter par bateau. Enfin, c'est l'île de Nami, et Nara, c'est le monde de Nami, en fait. Ah, oh, trop bien! En tout cas, ça a l'air trop beau. Clairement, son île a été un véritable coup de cœur. Il m'a envoyé des photos sur Instagram. C'était pas du tout censé se passer comme ça entre nous. Il voulait juste me montrer un petit peu son île. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un véritable coup de cœur et je me suis dit qu'il fallait que je la visite. Et que pourquoi pas la visiter avec vous en vidéo, comme ça tu inaugures les Iceland Tours. Ben merci beaucoup. Je suis vachement étonnée et puis je suis hyper contente de faire cette vidéo avec toi. Oh bah ben merci. Donc ça c'est des petits cadeaux que tu m'as dit, faut que je les prenne. Oh cool, c'est la tenue pour visiter ton île. Oui. Ça c'est cool parce que dans mon layette là, j'avais rien du tout qui était en accord avec ton île et je t'avoue que j'ai pas de tenue japonaise. Enfin, japonaise asiatique parce que je sais pas quel est ton thème. La Corée du Sud, ok. En même temps, tu me diras, oui, il y a le drapeau juste derrière moi. C'est... Oui, bah oui. Oui, c'est vrai. Et il est un peu partout aussi. Bah du coup, vas-y, je te laisse faire le guide. Je te suis, si t'as des projets, des choses à nous montrer, à nous expliquer, vas-y. Et si jamais tu as des coins où tu sais pas trop quoi faire, ou tu sais pas trop, enfin, si t'es un peu entre deux, pas à nous le dire parce qu'ils sont chauds dans les commentaires. Ok, ça marche. Je les connais, ils seront ravis de donner des conseils. Oh, c'est trop beau. Tout le quartier, en fait, c'est censé représenter le quartier de Hongdae à Séoul, du coup. Oh la vache. J'ai essayé de faire un peu les rues. Mais t'as utilisé combien de bois pour faire tous ces stands? J'ai mis énormément de temps à fermer tout ce bois. Oh la vache! Bon, en tout cas, ça fait super bien rue où tu visites et tout avec plein de magasins. Bah, la suite, c'est par là. Je te suis parce que quand même, je me suis littéralement incrustée chez toi pour faire ma vidéo, donc je vais pas non plus faire comme si c'était chez moi. T'inquiète. Oh, regardez comment c'est beau. Je passe doucement, hein, je montre bien les décors parce que... Avec tous les poteaux et tout là, comme ça, t'as dû utiliser plein de miles. Je sais plus si c'est des miles, oui, c'est des miles ça. Ouais, c'est des miles nook. Oh, bah, j'avais un stock de au moins 35 000 nook mag parce que je les utilisais jamais. Et puis, quand j'ai commencé à les utiliser, maintenant j'en ai plus que 50. Tu as combien d'heures de jeu? 175 heures pour le moment. Oh bien! J'aurais pensé que tu m'aurais sorti un 300 ou 400, j'allais me sentir mal. Et tu me diras, t'as fait énormément de choses pour 175 heures de jeu en fait. Oui, c'est vrai, j'ai été assez vite pour faire l'île. Oh, le petit gyroïde. Donc ça va être une pente qui va mener en haut, du coup. Ouais, il en faut deux. Mais pour le moment, on va faire des économies. Je vois, les clochettes sont en manque par ici. Voilà, il y a un peu le manque de clochettes qui se fait sentir en ce moment. Là, c'est un petit café avec des petits gâteaux et puis des fauteuils gants de baseball parce que le baseball, c'est le sport national de la Corée du Sud que, voilà. Je ne savais pas. Je t'avoue que j'y connais un peu rien en Corée du Sud, donc là, du coup, je te suis, je suis en mode, il s'y connaît bien, on va le laisser. On peut continuer par en haut. Ok. Comme tu m'as dit, ton île n'est pas finie, mais c'est normal, hein. On ne peut pas totalement finir une île, même en 400, 600 heures de jeu, ben, tu débloques les trucs au fur et à mesure, etc. Donc, Mais voilà, c'est vrai. Donc ça, c'est... Ah, mais attends, on n'a pas montré ta carte. Oui, c'est vrai, ma carte. Oh, donc Naminara, tu es qui en habitant? Tu as Rose, Nana, Kat, Nasser, Sourizi, Léa, Valé, Magogo, Narcisse et Abraham. Alors je dois t'avouer que la moitié de tes habitants, je ne les connais pas. Bon. Non, la moitié de tes habitants, je les ai jamais eu en partie du moins. Ouais, c'est un petit magasin de plantes. Oh, j'aime trop. Vas-y, je te suis. Ok, bah alors la suite, là, c'est tout le quartier résidentiel en fait. D'accord, donc là où il y a tous tes habitants. Oh, un petit vendeur de chapeaux. Ah, t'as le métier. Le vendeur de chapeaux, de vêtements, un petit peu de tout, quoi. Ouais, métier à tisser, j'ai vu qu'il y avait un porte-kimono derrière. J'aime trop cet objet. Là, ici, ils vendent des... Oh, ils sont trop beaux, ces kimonos. C'est des kimonos du jeu ou c'est des motifs? Alors, la rouge, ça vient des sorts de fées, puis la bleue, je l'ai dans un ballon. Oh, d'accord. Alors, la suite, bon, bah, allez, on va finir le tour du quartier. J'ai vu un truc trop joli de l'autre côté. les petits vélos devant les maisons, c'est trop bien. Oh, c'est beau, là. Alors, un petit parc. Un petit jardin. Le truc qui est bien en plus, c'est que du coup, nos îles sont totalement avec des thèmes totalement opposés. Moi, je suis
totalement dans un truc naturel et toi du coup dans un truc coréen. Donc ça c'est vraiment ouais, c'est chouette vrai. Parce que du coup c'est pas du tout comparable en fait. C'est moi mon île, ça n'a rien à voir du tout avec ce genre de décor. Chez toi c'est beaucoup plus c'est urbain, c'est pas du tout agencé de la même façon et j'aime beaucoup. C'est le drapeau de la Corée unifiée. Oh j'aime beaucoup. Regardez-moi ces décors quand tu passes là sur le pont, c'est trop mignon. Ici c'est en cours d'idée, on va dire. Oh l'allée, oui, elle est trop belle. Ah, tu t'es servi de ces trucs-là pour faire des espèces de contours de chemin. C'est trop une bonne idée. Oui, bah j'en ai mis partout de ça. J'avoue, je me suis pas encore servi des bambous sur mon île. Faudrait peut-être que j'y songe. J'ai peur que ça fasse un peu décalé sur mon île, mais au final, ça fait aussi naturel. Enfin, ça va pas que dans des thèmes japonais, asiatiques, etc. T'es une des premières personnes que je ne vois pas mettre son phare sur cette espèce de morceau de plage. Ah bon? Oui. D'habitude, toutes les îles sur lesquelles je vais, ils ont tous mis leur phare ici. Du coup, là, on a la maison de qui? Nasser et Kat. C'est la première fois que je vois ce pont rouge en jeu. Tous mes amis, ils ont pas ce pont-là. Ils ont tous mis le pont zen, tu sais, tout en bois. Ah oui, le marron, là. Le ouais, brun. Bah après, d'un côté, j'ai pas beaucoup d'amis qui ont des thèmes asiatiques, pour être honnête. Donc, c'est la première fois que je vais dans une ville un peu avec ce thème-là. Et ils ont tous mis le pont en bois et le pont rouge, je l'avais pas encore vu. Et je t'avoue qu'il est trop, trop beau. Bon, on peut repartir par là. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas vu en bas tout ce qui était mairie, etc. Du coup, au niveau est-ce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vont me poser dans les commentaires la question de quelle est la fréquence des Iceland Tours. Alors, je vous avoue que j'en ai strictement aucune idée. Là, comme je vous ai dit, ça s'est fait comme ça avec Florence qui m'a envoyé des photos et... véritable coup de cœur. Mais en réalité, je pense pas vous spammer avec des vidéos de Iceland Tours, etc. J'en ferai quelques-unes de temps en temps quand il y aura des perles à découvrir, mais... C'est pas aussi facile qu'avec les visites oniriques à l'époque. Oui, c'est vrai, c'est plus compliqué qu'avant. T'as joué un petit peu aux autres opus Animal Crossing ou alors c'est ton premier? Non, j'avais Wild World à l'époque et New Leaf. J'ai fait 4 cartouches. Ah oui! Toi aussi, tu es un fan des nombreuses cartouches. Ouais. Alors ici, je savais pas quoi faire, alors j'ai tenté un truc, mais c'est pas définitif. Bah, pour combler le vide. Oh! La table de jeu! C'est pas le jeu de Go, un truc comme ça? Oui, c'est ça. Avec les petits coussins qui sont retouchés et tout. Ça. C'est super beau, la petite barancelle qui est là. Le petit coin avec des tables en pierre. Ah, il faudrait voir. Tu me donnes envie d'aménager mes plages. Hein. Ah, mais franchement, c'est hyper sympa. Merci. Ça rend super bien la source d'eau chaude sur les espèces de pierres. Elles ont la même couleur, c'est super bien fait. Tous les petits motifs qu'il y a au sol avec les écritures coréennes, c'est moi qui les ai fait souvent. Ah, t'as reproduit des caractères. Je t'avoue que je connais pas du tout les caractères coréens, etc. J'ai écrit. Les choses en question. Comme ici, bah là, comme c'est le quartier Hongdae, bah, j'ai écrit Hongdae sur le papier. Oh, en tout cas, t'as vraiment pensé à tout, parce que genre, il y a même les paires de chaussures à côté des serviettes, on a les petits ballons, j'ai vu qu'on avait aussi les petites lunettes qui étaient par ici. C'est super bien fait, avec tous les petits panneaux partout. Ah, oh, c'est trop beau chez lui, c'est qui? C'est Valé. Ah, oh, c'est trop mignon. Je les ai, ces sièges-là. Du coup, là, ça, c'est une infirmerie, un espèce de centre hospitalier. Ouais, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Avec des petits remèdes, des petits lits. J'aime trop la folie du détail que t'as eu partout. J'ai pas pensé encore à mettre des espèces de... J'ai mis quelques canapèches ou quelques trucs comme ça un petit peu partout, mais j'ai pas vraiment mis de remèdes ou quoi que ce soit. J'ai essayé de faire avec les moyens du bord. Tu m'étonnes. D'ailleurs, tu as l'île 5 étoiles? Avant oui, mais maintenant 4, parce que Marie me dit qu'il y a trop d'arbres. Ah, il y a trop d'arbres. Ah, j'aurais ouais, pensé. Il y a trop d'arbres. J'aurais pensé que tu m'aurais dit qu'il y avait trop d'objets au sol, vu qu'il y a des remèdes, etc. C'est des objets au sol. Après, j'ai réglé le problème et maintenant il y a trop d'arbres. C'est quoi ici? C'est une espèce de truc de mariage? C'est un petit restaurant sur la plage. C'est trop mignon. Alors ici, c'est l'entrée d'un restaurant. Ah, oh, c'est beau. J'aime trop parce que tu as su allier les chemins qui font un peu plus, enfin les lieux qui font un peu plus campagne, un petit peu plus village, avec des lieux beaucoup plus urbains, la ville vraiment. Moi je trouve que ça va bien ensemble. Ouais, ici on est vraiment dans une espèce de un peu plus petite campagne. Là c'est j'ai voulu faire une allée avec des arbres, donc c'est une allée avec des arbres. C'est vrai que j'avais pas remarqué, mais les caractères changent au sol. Oui. Non. C'est parce que ici c'est le quartier de Hongdae toujours, du coup c'est toujours écrit Hongdae par terre en fait. Ouais, du coup là on rejoint Hongdae. Et là par contre c'est autre chose. Alors ici en haut c'est Chugo et en bas c'est Jiok, c'est le quartier résidentiel. Oh, c'est magnifique. C'est comme si tu viens par là, regarde là il est en entier. Voilà. Ah ouais, d'accord.
Du coup, là, on est retourné sur nos pas. On va retourner par là-bas. Alors, voyons voir ce restaurant. Ah, oh, t'as les tables vraiment dans le thème qui tourne là. Enfin, avec les baguettes et tout. Ouais, voilà, c'est ça là. Ah, c'est super joli. T'as mis les petits trucs de. Ça, c'est... Je crois que c'est les trucs à butons, un truc comme ça. C'est la collection Tech ou Impériale? Je sais plus. La collection Impériale. On a quoi là-haut? Justement, là, je crois que c'est l'endroit. Ah non, c'est pas vide. Non, c'est pas vide. En fait, où c'est vide, c'est en haut des cascades, y a rien en fait pour ça. Ah, c'est juste ça que tu appelais l'endroit vide? Non, y a pas ça, y a pas que ça encore. Y a un endroit encore où c'est vide. D'accord, ce que je me disais, non mais là c'est pas possible. Alors, les éoliennes, en fait, tu vois sur le panneau c'est écrit Jeju parce que en Corée du Sud, t'as une île qui s'appelle Jeju tout au sud et c'est une île un petit peu tropicale et c'est une île qui est hyper écologique et il y a beaucoup d'éoliennes sur l'île du coup. Beaucoup d'éoliennes sur la plage aussi, du coup j'ai mis des éoliennes un peu partout sur la plage. D'accord, on n'a pas vu tout en haut, est-ce qu'il y a des trucs en haut vers le musée, Méli-Mélo, Layette? Ah oui, il y a plein de trucs. Vas-y, je te suis, on va monter. En fait, on était au bon endroit et puis on a bifurqué, bah voilà. Bah. Oh la vache! Merci. Alors, j'avoue, autant que tu vois, ça c'est une de mes grandes déceptions dans Animal Crossing New Horizons, c'est que du coup, on est obligé d'avoir une île par Switch. Et me connaissant, j'aurais bien fait, j'aurais bien fait un thème Japon, un thème asiatique, thème sucrerie, tu vois. Et malheureusement, l'île aux coutumes japonaises et asiatiques, elle va un peu sauter. Donc c'est pour ça que je suis ravie de visiter la tienne. Mais c'est un peu dommage, c'est mon grand regret. Du coup, on continue par où on monte? On n'a pas vu en haut? Oui, on peut aller par là. Du coup, là, c'est la suite de l'île de Jeju. C'est pour ça qu'il y a des palmiers un peu partout. Ouais, du coup très naturel, très comme ce que tu disais, tropical. Ouais, voilà. Et là, du coup, on peut sauter par ici, on a une espèce de petite source. Je vois, en plus, t'as des petites cascades qui rejoignent la mer, c'est super bien fait. On a l'impression d'être sur un îlot. Et aussi, à Jeju, t'as plein de cascades qui se jettent dans la mer. Du coup, ça, en plus, ça complète le thème. Tu préfères qu'on aille par la gauche ou... En plus, c'est la droite, bravo. Et du coup, c'est ma maison, bon, y a rien à l'intérieur. Là, on a les petits palmiers et tout. Et là, c'est mon petit jardin avec, voilà. Ici, c'est le coin reproduction des hybrides. T'as raison. J'ai vu que t'avais un petit peu mis surtout des fleurs roses et des fleurs bleues. Parce que j'ai que ça. Ok, t'inquiète, je comprends. Ok, là, il y a le petit coquillage. Les petits voilà. En fait, il me manque, pour finir, il me manque, tu sais, les lampes palmiers. J'attends d'en avoir deux. Ah, j'ai le craft. J'ai le craft. Ah, c'est un craft, je pensais, tu vois, je pensais qu'on les achetait en magasin. Non, c'est un craft, ouais, les lampes palmiers. Ah, le petit musée qui est ici. En plus, les arbres roses avec la pluie de pétales, c'est génial. Mais du coup, ça doit être un peu embêtant pour toi, parce que j'imagine que tu préfères rester à la période des arbres roses avec ton île. Et au final, t'es obligé de reculer à chaque fois, donc ça doit être hyper galère. Oui, puis après, quand je joue, je me mets à la vraie date. Mm. Et puis après, quand je veux vraiment faire un tour de l'île, je me retourne les jours. D'accord. Ouais, parce que sinon, j'allais te dire, le fait de tout le temps time travel en arrière, en fait, t'es même pas avantagé, en fait. T'es juste bloqué avec les mêmes objets et ça doit être hyper galère. Ici, c'est un petit coin, en Corée du Sud, il y a beaucoup de gens qui chantent dans la rue, qui font des performances, tout ça. Et ben, j'ai voulu faire un petit coin comme ça. Une petite scène en plein air. Et ça représente aussi les petits karaokés qu'on retrouve souvent dans le pays. Et ça s'appelle Norebang, et c'est ce que j'ai écrit par terre aussi. C'est beaucoup trop beau, il y a un truc par là-bas, par la droite, ou pas du tout? Oui, en haut, c'est à droite, c'est le magasin Nook. Ok, ouais, je vois, ensuite on monte, et ensuite on va pouvoir... Le magasin Nook converti en 7-Eleven. Oh. Tu vois, autant t'as utilisé plein d'objets sur ton île dont j'étais pas trop fan de base, genre ces barrières, et chez toi, elles rendent bien de ouf. Comme quoi, en fonction de ton thème, ça n'a strictement rien à voir avec... ici, on monte... Ah, ça, c'est les bains publics! Ouais, le Dijimbang. Oh, c'est beaucoup trop joli avec les espèces de trucs, genre pour se faire masser et tout, les lits tatami. La table pour jouer. Voilà, et après, ça ramène sur le chemin principal qui va à la boutique. Et ouais, il nous reste plus que les sorts de votre fée à découvrir. Ouais, les sorts de votre fée à découvrir, et puis on aura fait le tour, je pense. Du coup, t'as mis des chemins en remodil, je vois, c'est des chemins en pierre, et t'as rajouté des espèces de petites pétales qui sont... Je l'ai vu, ce motif, je crois qu'il est sur Pinterest, le motif des pétales. Moi, je l'ai trouvé sur YouTube, celui-là. Ah bah voilà.
Bah après, je pense que c'est un peu les mêmes motifs qui se répètent, que ce soit sur Instagram, YouTube. Oui, après, c'est toujours les mêmes. Hein. Ah ouais, c'est hyper Voilà, les naturel petites sortes ici. de thé. Après, sur le pont, il y a une vue sur les arbres. Ah cool, on va aller voir ça. Ah ouais! Bon, c'est pas tout ça, mais du coup, il y a tellement d'endroits qui sont sympas dans ton île que moi, il va falloir que je trouve un endroit pour faire ma miniature avec toi. Et du coup, dans ta maison, tu les as pas encore construits. T'as fait comme moi, en fait. Tu t'es concentré sur l'île extérieure et après Ouais, voilà, j'ai fait sur ce les petit maisons. détail. D'abord, commence le dehors et après, tu fais le dedans. J'ai fait la même chose, ça me rassure. Bah écoute, du coup, on va vous laisser là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Ça ferait super plaisir à Florian de voir que son île, elle est franchement, bah, magnifique. Il n'y a rien à redire. Merci. Merci beaucoup. C'est un gros coup de cœur. Je vous fais d'énormes bisous, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.